Alors, bonjour à vous les béliers. Pour une toute première fois que je fais les cartes, c'est la première fois que vous êtes les petits derniers de la série pour ce mois d'août 2020. Alors, c'est votre tirage, les béliers. Alors, on va commencer à sortir vos cartes. Je vais procéder en accéléré, de sorte que je puisse réellement prendre tout le temps que vous m'accordez avec l'interprétation de vos cartes pour ce mois d'août 2020. À tout de suite. Alors voilà, merci d'être toujours là, les béliers. C'est votre tour. Vous êtes les bons derniers pour ce mois d'août 2020. Alors pour vous, écoutez, tout va pas aller comme sur des roulettes. Il va y avoir des. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et écoutez, commençons d'abord par le début. Il semblerait donc que certains d'entre vous soit aux prises avec des discussions qui sont difficiles, des négociations qui sont difficiles, vous êtes en compétition, vous vous sentez comme si vous avez des choses à prouver parce que, voyez-vous, ici, on voit des gens qui sont dans une espèce de lutte. Alors, on doit faire nos preuves, on essaie de, bon, on essaie de prendre le haut du. On essaie de dominer un peu la conversation, de dominer les impressions, de dominer. Bon, alors vous êtes amené à. Et il semblerait ici que il pourrait y avoir. Vous croyez peut-être que juste la douceur va arranger les choses, ou juste les belles paroles, les bon, pour parler des choses qui sont peut-être doucereuses. Mais on va demander plutôt à ce que vous soyez très logique dans votre approche. On va faire appel à votre côté logique parce que voyez-vous, c'est la seule raison pour laquelle vous pourriez justement bien vous en sortir, c'est de ne pas flatter les gens, comme on dit ici, dans le sens du poil. Ce n'est pas ce qui va vous gagner les faveurs. Vous êtes actuellement à égalité. Pardon. Vous êtes à égalité avec des personnes qui sont aussi compétentes que vous, aussi vaillantes que vous, aussi brillantes que vous. Et là, vous êtes en compétition. Vous devez faire vos preuves. Alors, ça ici, la flatterie ne va pas vous apporter gain de cause. Alors, on va demander réellement à ce que vous utilisiez votre côté entrepreneurial, votre côté décisif, la façon que vous avez parfois d'être capable de prendre des décisions, être capable de faire preuve de. C'est. J'allais dire empathie, mais cette carte-ci, ce n'est pas une carte d'empathie. Pas du tout. C'est une carte d'être décisif, être axé sur les résultats, être axé sur les choses qui sont stable, c'est ferme, il n'y a pas réellement de négociation pour. Bon, c'est. On a une idée, on va avec l'idée et on est ferme sur nos positions. Alors ici, je vous encourage à peut-être justement, si c'est la façon que vous faites, peut-être que vous allez devoir assouplir. Si vous êtes trop doucereux ou que vous camouflez ou que vous évitez de certains sujets parce que vous pensez vous mettre dans une bonne situation, mais ici on vous dit, soyez prêt à devoir convaincre, mais sans être trop agressif parce que vous allez vous tirer dans le pied. D'accord? Alors ça, c'est les cartes qui sortent ici pour vous, de la façon dont vous sentez les choses qui se présentent pour vous maintenant. À la base, c'est que, voyez-vous, ici avec le 5 de coupe, il s'agirait peut-être de disputes. Il pourrait s'agir d'un désaccord. Il pourrait s'agir de. Donc, à la base, vous partez pas avec nécessairement
tous vos galons. Vous partez pas avec une. Vous n'avez pas quatre as dans les mains, là. Okay? Vous partez réellement et vous devez affronter vos adversaires, en fait, que ce soit votre partenaire de vue, que ce soit des partenaires au niveau des affaires ou que ce soit même des collègues de travail. Vous partez ici avec un peu ce côté-là, avec une agressivité et peut-être, voyez-vous, une peine parce que la carte implique une certaine peine. Ça vous fait de la peine devoir vous prouver comme ça ou devoir faire face à ce qui s'en vient, là. Alors, actuellement, à la base, c'est ça. Et voyez-vous, juste derrière vous, on voit que vous avez misé beaucoup, beaucoup d'espoir là-dessus. Et c'est quelque chose que vous voulez depuis très, très longtemps. J'ai l'impression que c'est peut-être parce que vous avez peur de voir les choses vous échapper. C'est un petit peu ce qui se dégage parce que ça fait longtemps que vous voyez cet aspect-là. Ça fait longtemps que vous désirez ou que vous travaillez dans cette optique-là, dans cette. Et voyez-vous, dans le moment présent, on voit ici la carte qui annonce qu'il y a un complet laisser-aller, il y a un arrêt complet, il y a un changement, ça coupe. On doit faire notre deuil de quelque chose, on doit quitter quelque chose, il y a une séparation, il y a une déchirure, et ça, c'est dans le moment présent. Alors, vous qui aviez fait tous ces espoirs-là, et que dans le moment présent, vous avez la carte où est-ce qui indique un arrêt, une déchirure, une séparation, bon. Alors, est-ce que c'est parce que vous changez d'emploi, c'est parce que vous avez vraiment essayé très, très fort de maintenir la situation et que là, tout d'un coup, les décisions vont sortir, il y a des coupures qui vont être annoncées. C'est très, très possible. Ce qui s'en vient, qui est juste au bout de votre nez, qui s'en vient, qui est ici, vous avez une carte qui annonce, comme il y a un tranchant là-dedans, il y a une solitude ici. Il y a faire cavalier seul, un repli sur soi. On a vécu, on a aimé, on a donné beaucoup. Et là, actuellement, vous allez être un peu meurtri. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir tendance à essayer de vous protéger. Et c'est très normal. Alors, après une coupure, une séparation ou un laisser-aller, boum, vous tombez ici avec une carte qui annonce de la solitude. J'ai pas l'impression que cette situation-là va perdurer. Je n'ai pas l'impression que la situation, elle est nécessaire actuellement parce que voyez-vous, où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est complètement avec des bases qui vont devoir être revues complètement. Alors, on détruit pour être capable de mieux reconstruire. Il y a des choses qui vont disparaître de votre vie. Il y a des choses qui vont, comme de nouvelles choses vont soudainement apparaître, qui vont soudainement être là. Il peut s'agir aussi d'un déménagement ou d'un changement d'édifice, changement d'emploi. C'est foudroyant. Ça se passe très rapidement. La perception que vous laissez aux gens autour de vous, c'est que il y a des gens qui vont penser que vous faites rien. Vous avez abandonné, vous avez laissé aller, vous êtes comme en suspens, vous êtes en attente et c'est comme si vous ne réagissez pas. C'est comme si vous aviez accepté ou abandonné ou lâché prise. En fait, les gens voient comme de l'inactivité, de l'inaction de votre côté, comme si vous vous dites. Il n'y a rien que je pouvais faire pour ça. Il n'y avait rien que je pouvais parer. Il y avait pas, je ne pouvais pas me protéger réellement. Alors, remarquez, je ne suis pas dans votre situation. Alors, c'est possible que ce soit quelque chose comme ça, quelque chose de cette nature-là. Vous savez, parfois, il est important aussi de prendre le temps d'attendre et de se mettre en état de. Prendre du recul. Alors, c'est pas nécessairement mauvais. Par contre, il faut pas que cette carte-là ait un effet de longue durée. Alors, c'est bien de prendre le temps de prendre du recul, mais il faut pas que vous restiez là. J'ai vraiment l'impression que oui, ces choses-là, ce qui se produit pour vous, c'est inévitable. Cependant, j'ai l'impression que
la situation ici qu'on voit qui change vraiment de façon drastique, la destruction pour mieux reconstruire qu'on voit ici, j'ai l'impression que ça vous amène quand même dans une situation assez bien, parce qu'à long terme, voyez-vous, ici d'abord, la carte de votre plus grand espoir, vos plus grands espoirs, on parle ici de communication, on parle de réseautage, on parle de amener des choses harmonieuses ensemble, ramener des situations qu'on pensait être sans issue. Tout d'un coup, les choses ont l'air de vouloir prendre un nouveau tournant, mais c'est très positif. Donc, on amène des situations contraires à s'harmoniser. Donc, il y a la vie qui reprend, il y a des choses qui reviennent ici, là, avec la carte de votre plus grand espoir. Et j'ai l'impression réellement que c'est là que vous vous en allez. L'espoir va se faire jour pour vous. Et nous avons une carte ici qui annonce un très grand bonheur. Alors, ça veut dire que cette solitude-là, à laquelle vous faites face très bientôt, va probablement, bien entendu, qui va être vécu peut-être un peu plus difficilement, pourrait, après une période de recul, une période d'analyse de votre côté, va vous amener réellement vers quelque chose qui va réellement être un changement heureux. D'accord? Alors, c'est sûr que dans le moment présent, ceux qui vivent quelque chose de difficile, que ce soit au niveau amoureux pour une séparation ou au niveau travail, donc un emploi qui n'est plus là, on vous laisse aller, on vous laisse tomber. Bien entendu, ça réveille un peu de votre côté agressif, votre côté qui ne donne pas, qui ne cède pas. Mais par contre, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de belles situations. En fait, ici, le 9 de coupe représente la carte des vœux. Alors, c'est la plus belle carte dans les arcanes mineurs qu'on retrouve et vous l'avez comme la finalité. Ça veut dire que c'est nécessaire pour vous de passer cette situation-là qui est un peu obscure et qui est, en fait, qui est pas beaucoup, c'est pas un peu obscur, c'est une situation qui se présente pas très bien. Mais vous devez passer par là et vous allez y arriver avec le 9 de coupe. Alors, éventuellement, même si ça ne vous apparaît pas maintenant, donnez-vous le temps parce que celle-ci, c'est ce qui s'en vient pour les aspects à long terme, ce qui est un aspect très positif. Alors, je regarde ici. Il y a des gens qui ont caressé dans le passé une situation qui peut-être ne prend fin abruptement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait se continuer, mais dans une autre optique, dans une autre dimension, dans une autre entreprise ou une autre relation. D'accord? Alors ici, maintenant, j'ai sorti les cartes pour donner l'emphase de votre tirage, malgré l'aspect négatif de certaines cartes qu'on retrouve actuellement dans votre tirage. Les cartes sont très positives. Je vais simplement vous en nommer comme ça quelques-unes. Alors, nous avons le 3 de coupe qui annonce toujours des réjouissances, des réunions, des situations à célébrer. Vous avez ici une carte qui parle d'une annonce, de quelque chose qui est annoncé, quelque chose qui vous permet de vous élever, il y a quelque chose qui vous permet de vous guérir. Vous avez la carte ici qui parle de plan, de déterminer quelque chose, de prendre le temps de vous faire votre direction avec quelque chose de détaillé. On disait déjà, juste avoir un rêve, c'est bien, mais être capable de mettre des dates sur ce rêve-là, c'est que vous commencez déjà un plan. Alors, je vous encourage, prenez le temps. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez être capable de réaliser, prenez le temps, mettez sur papier. Vous savez, on appelle ça faire une commande au firmament, commande dans le ciel. Alors, c'est peut-être pour vous ici. On parle ici aussi de convaincre, alors d'être dans une situation où est-ce que vous allez devoir à plusieurs reprises probablement expliquer, réexpliquer, donner de l'information. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir peut-être des distributions de votre curriculum vitae, peut-être des distributions de certains documents que vous devez transmettre. Bon, alors ça fait partie.
Les cartes d'ici, ces quatre cartes que je viens de vous montrer, ces cartes-ci nous montrent, donnent toujours juste comme l'emphase du tirage. Alors ici, j'ai pas l'impression qu'il y a rien réellement de négatif pour vous. C'est simplement que ce que vous vivez présentement pour ce mois d'août va peut-être être un petit peu pénible, mais ça va vous permettre de prendre une direction, par contre, qui vous amène aussi à un très bon bonheur, un très grand bonheur. Les quatre bonbons que j'ai tirés pour vous. D'abord, les deux premières ici avec le tigre qui annonce la force. Et ici, une branche cassée, ce qui peut signifier un accident, comme un accident de parcours, une perte. Ça peut être quelqu'un qui est proche, mais ça peut être aussi une perte au niveau du travail, une perte au niveau d'une personne chère. Ça peut être, bon. Et vous avez la carte de la force. Peut-être que ça m'indique tout simplement que vous ne prenez pas très bien. Vous avez vraiment, il y a une espèce d'agressivité ici, là. Dans cette perte-là, il y a une agressivité réellement qui se fait sentir. Étant donné que je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose qu'on pouvait peut-être aller sortir pour vous, j'ai été chercher deux cartes additionnelles. Alors, pour certains d'entre vous qui vivent dans le doute, qui êtes dans l'expectative, qui êtes dans un. Vous voyez ici la présence de cette carte-ci qui annonce un peu un aspect sombre. Alors, si vous vivez beaucoup de doutes, écoutez, la spiritualité, que ce soit, faites-vous un milieu, faites-vous un endroit où est-ce que vous êtes capable de vous ressourcer. Être capable de peut-être méditer, essayer de voir de quelle façon vous pouvez essayer de calmer ce tumulte intérieur que vous ressentez, parce que réellement, il y a un grand tumulte ici. Il y a vraiment beaucoup de c'est comme il y avait une rage. OK, il y a une rage parce que c'est la force, la branche cassée, c'est des choses qui sont très pénibles à vivre. Alors, je vous invite à peut-être être, essayer, en tout cas, si vous êtes en mesure de le faire. Il y a des gens qui réussissent à méditer, ça reprendre en main et reprendre confiance en soi avec justement un peu de méditation. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne avec tout le monde, mais c'est une voie à explorer. Alors, je vous invite à le faire. Alors, c'était votre tirage, les béliers, pour ce mois d'août 2020. Bon dernier, mais écoutez, tout n'est pas perdu. Vous avez quand même des bonnes choses qui sont en possibilité. Les possibilités de ramener les choses pour vous sont là. Alors, n'abandonnez pas. C'est juste temporaire. Alors, vous avez ici, oui, vous allez vous retrouver tout seul. Oui, il y a un abandonnement, mais vous allez vous retrouver sur dans une nouvelle direction et quelque chose qui va être très bon pour vous. Alors, c'était le tirage que j'avais pour vous ici, les béliers, pour ce mois d'août 2020. Pour les gens qui en sont leur première visite, j'aurais aimé vous donner des meilleures nouvelles, mais si jamais, je vous invite tout de même à vous abonner à la chaîne de Plume Lumière Tarot. Je suis avec vous sur une base régulière et je fais les lectures mensuelles, les semaines lorsque je suis en mesure de le faire et aussi, bien entendu, les tirages anniversaires. Et pour vous tous, peu importe que vous soyez de mes réguliers ou une nouvelle personne sur ma chaîne, je vous invite à m'écrire un mot, m'écrire un commentaire sur la vidéo. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Alors à tous, je vous souhaite un excellent, un très beau mois d'août.